Bonjour les amis turfistes, de retour sur la chaîne Nico Quinté Prono, de retour sur le Quinté Plus d'aujourd'hui à Vichy où je vous donne le Quinté Plus dans le désordre avec notamment le numéro 11 vainqueur. Vous voyez, je suis donc l'un des rares pronostiqueurs à vous l'avoir donné, le coquin Hakim Deschamps, il était là. Petite déception avec Hibiscuit, Earth of Last qui finit troisième. Donc voilà, on se retrouve pour le Quinté Plus du 8 juin à Laval, 6e étape du GNT. Le coquin donc vainqueur à 28 contre 1, ça je viens de vous le dire, l'un des rares pronostiqueurs, je me répète un petit peu, mais de temps en temps il faut savoir se mettre en avant. Ensuite, la course du jour, groupe 3, 90 000 euros de dotation, on est à corde à gauche à Laval bien sûr, sur le parcours des 2850 mètres. On aura des chevaux de 5 à 10 ans avec un recul à 297 000 euros et 50 mètres à 509 000 euros. Ils seront 16 partants, dont 3 au dernier échelon. Une course avec des chevaux de très très bon niveau. Les 3 échelons, très durs au 25 et même aux 50 mètres, je dirais même, pardon. Ici, j'ai voulu dire ça. Des favoris que je trouve solides, même si on pensait la même chose au croisé la roche, avec par exemple Anna Demol qui nous avait fortement déçu en se mettant en galop dans le dernier virage. Mais j'ai vraiment l'impression, puis la synthèse de la presse nous le confirme un peu, qu'on a quand même un gros paquet de chevaux qui sont très très joués là parmi les 7 favoris, qui inspirent une confiance assez importante. Donc j'aurais tendance à dire le tiercé au moins dans ces chevaux-là peut-être. Après, comme d'habitude, on a toujours un outsider qui viendra se glisser dans la combinaison du quintet. Allons-y. On va essayer de voir si Anna Demol elle peut nous rembourser. Elle nous avait coûté cher la dernière fois en prenant le galop. Sinon, elle aurait fait jouer égal avec Earl Simon, je crois. Donc là, on compte sur elle pour une complète réhabilitation. Et elle doit aller le vainqueur en puissance avant le coup de cette sixième étape à Laval, je pense. Elle est au-dessus du lot. Elle ne trouvera pas des chevaux de la trempe de Klingem ou Earl Simon sur son parcours. Ensuite, Echo Chandlessy avec toujours Tony Lebel et Rala Drive. Bah, lui, c'est une assurance tout risque. Il sera dans le quintet sans incident, on va dire. Il devrait faire l'arrivée, je pense. Le coquin, ben là, je suis allé chercher la jument qui sera menée par Pierre-Yves Verva, déesse noire. J'ai bien aimé sa dernière course. Ça fait très longtemps qu'elle ne s'est pas glissée à l'arrivée, et encore moins dans le trio. Mais là, elle revient, elle a mis du temps. Et je pense que sa dernière fin de course était très, très, très bonne. Certes, le lot n'est pas simple, mais elle est parfaitement engagée au premier échelon. Je la vois bien prendre une place dans le quintet plus. Quintet. Aucun favori fragile pour cette course, à mes yeux. Et ensuite, les fantômes, j'élimine surtout 15 et 16 au dernier échelon. Décoloration semble pas du tout en tenue de robe de mariée pour faire l'arrivée à 50 mètres ferré, sans ambition. Donc, on va faire un petit parcours là. Donc voilà, mes formules de jeu. Un jeu combiné, on retrouvera donc devant Anna Demol avec le 3 Greco Bello. S'il répète sa course du mois de mars, il doit l'emporter. Il était préparé pour ça. Donc il peut être là. Il peut s'immiscer entre mon béton et mon copain et coach Chandlessy, pardon. Ensuite, on a le 6 DS Noir que je glisse assez haut. Le 11 Fredja Dupont. Le l'As Effigie Royale qui a déjà battu à poteau égal Erdelios, donc attention. Le 7 Erdelios justement qui aura une ligne droite un peu moins longue pour venir placer sa pointe de vitesse, donc je le vois plutôt 4-5e, et également Epson Derfray qui va faire un petit parcours et venir essayer de finir les 600-800 derniers mètres pour venir compléter la combinaison du quintet. Voilà, on peut faire la même chose sinon en champ réduit. À vous de choisir vos jeux. Voilà, en tout cas pour ce jour, on se retrouve demain à partir de midi. Hier, je vous ai pas fait, aujourd'hui tout du moins, je vous ai pas fait une vidéo de dernière minute parce que les cotes ne m'apprenaient vraiment rien du tout dans ce petit quintet de Vichy. Demain, on aura peut-être des informations assez importantes, donc retrouvez-moi à midi pour une nouvelle vidéo et espérons-le encore de belles arrivées avec les sélections que je vous donne. À bientôt.